donc ça va être un peu à la bonne franquette, très bien. C'est un exposé un peu expérimental en plus, parce que c'est une tâche un peu délicate qu'on a essayé de réaliser là, à savoir présenter, donc c'est une bonne répétition, du coup, il va pouvoir nous dire si c'est une bonne façon de pas dire le nom. Ce qui est pertinent, c'est d'arriver à présenter un certain nombre de logiciels qui ne sont pas forcément les logiciels phares de l'Institut, à savoir on présente toujours un panel de 10 ou 15 logiciels qui sont très en vue, souvent parce qu'ils sont, ils sont le résultat d'une activité par exemple de transfert ou en tout cas d'intérêt du point de vue des industries, et c'est souvent ceux-là qui sont mis en avant. En l'occurrence, on a quand même une très grosse production logicielle en interne, qui n'est pas du tout destiné à ça. D'ailleurs, c'est même intéressant qu'en interne, ce type de présentation pourrait avoir un intérêt aussi en interne, parce que beaucoup de gens confondent ce qu'on fait sur le plan du développement technologique, avec les ingés qui sont impliqués à faire du développement logiciel dans les équipes projet, et ce qu'on fait sur le plan du transfert et de l'innovation. Donc plutôt, on a en gros une partie des gens qui est destinée plutôt à faire l'interface avec le monde industriel et d'essayer de mettre en valeur, valoriser un certain nombre de choses qu'on fait en interne pour les mettre en connexion avec les industriels et vice versa. Quand les industriels ont besoin spécifique de se tourner vers INRIA en disant est-ce que vous avez du logiciel X. Et souvent il y a une confusion, c'est-à-dire que même en interne, pas rare que les gens pensent que les ingénieurs de développement aient pour mission de faciliter en réalité le transfert de l'externe. Alors que ce n'est pas la mission première. La mission première, c'est de professionnaliser le développement pour des tas de raisons et pas seulement pour transférer ce qu'on a fait en interne à l'extérieur. Donc cette présentation, elle a un peu vocation à dire attention, le développement logiciel, ce n'est pas que le transfert. Donc on va voir si j'y arrive. Ça, donc, du coup, j'ai cette chance de pouvoir m'entraîner un petit peu. Sans prendre de gros. Donc, en termes d'exposé, comme ça s'adresse à des gens extérieurs, donc je vais aller assez vite, du coup, la seule personne qui ne va pas connaître beaucoup de choses, ce sera toi, tu n'hésites pas à poser des questions, à dire, ok, ça va être toi, à noter les points d'intérêt potentiels. Une introduction sur ce qu'est INRIA, quelles sont les missions principales, pour comprendre un peu où va s'articuler le développement logiciel dans tout ça. Ensuite, une deuxième partie où j'essaie de faire un cheminement pour dire en gros comment le logiciel né à l'INRIA, à quoi il nous sert, et puis comment il va pouvoir évoluer. Et ensuite, et pour finir en fait, quels sont les moyens et les outils dont INRIA se dote pour essayer d'améliorer la production logicielle. Donc ça c'est une dizaine de slides qui présentent grosso modo quelles sont les missions de cet institut de recherche. Donc INRIA, c'est un institut de recherche en sciences du numérique. Okay. Jusque-là, tout va bien. Essentiellement informatique et mathématique, avec une connotation forte pour la modélisation en numérique. Et en gros, l'activité, elle est bornée entre deux activités. La première, qui, je dirais, est la plus présente, dans notre manière de travailler, c'est l'activité vraiment de recherche scientifique, donc produire de la publication, générer de la connaissance, générer du savoir. Et de l'autre côté, le fait qu'on va viser du transfert de ces connaissances et de ce que ça a permis de produire, typiquement du logiciel, typiquement des plateformes, vers l'extérieur du monde. Sachant que c'est borné entre ces deux-là, ça veut dire qu'une IA ne sera pas écoutée dans le logiciel. Une IA n'a pas vocation à produire, diffuser, maintenir le logiciel en tant que tel. L'INRIA va se positionner comme le prestataire de services vers l'extérieur du monde qui vont fournir le logiciel du paquet, etc. On s'arrête juste un cran avant. Ce qui n'empêche pas qu'on veuille faire du transfert. J'y reviendrai par la suite. Au milieu de tout ça, il y a des activités d'enseignement, de formation qui sont extrêmement présentes parce qu'on est très ancré en fait, dans le tissu universitaire. Il y a beaucoup de collaborations avec des étudiants qui sont engagés, des doctorants notamment. Et au milieu de ça, entre les deux bancs de recherche et de transfert, il y a aussi du développement logiciel. J'expliquerai dans quelle mesure il est nécessaire,
Mais on sent bien que dans un environnement d'informatique, c'est assez pertinent qu'il y ait une activité de développement logiciel. À noter que ces deux bornes, elles ne sont pas là par hasard. En fait, on est un institut public à caractère scientifique et technologique, et il y a une double tutelle. On a une tutelle du ministère de la Recherche et une tutelle du ministère de l'Industrie. En réalité, l'INRIA est aussi vu comme un moteur de l'écosystème industriel, économique, et donc pour but, pour vocation aussi de générer de l'activité économique dans les sciences. Bon, là, il y a quelques chiffres pour donner un ordre de grandeur de ce qu'est l'INRIA, qui n'est pas toujours très bien connu, souvent confondu avec son collègue agricole, agronome. On a environ 4 300 personnes, dont la plupart sont qualifiés de termes de scientifiques, sachant que dans les scientifiques, il y a des chercheurs et un certain nombre d'ingénieurs recherche et développement. On est répartis en 8 localisations géographiques, en 8 centres. Il y a des éléments de budget, etc., qui sont importants, mais sur lesquels je n'ai pas besoin de les entendre. Ces 8 centres sont répartis géographiquement un peu partout. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'ils ont un rayonnement local. C'est-à-dire que la plupart sont. Il y a des spots forts, comme ici à Sofia. Et puis, il y a un certain nombre d'équipes qui sont dans le bassin régional, voire plus loin, qui sont, on va dire, dans une espèce de cercle d'influence de chacun des centres. Donc, c'est pour ça qu'il y a une terminologie avec Grenoble-Rhône-Alpes, Saclay-Île-de-France, Sénégal Grand Est, avec la volonté en fait d'avoir un certain rayonnement sur un bassin. Un des aspects importants pour essayer aussi de comprendre ensuite comment le développement logiciel va s'intégrer, s'insérer là-dedans, c'est d'expliquer la notion forte de comment on est structuré sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, chaque centre, qui est une entité géographique, héberge des équipes projet. Une équipe projet de recherche INRIA, qu'est-ce que c'est? Donc ça s'appelle EPI, ou équipe projet INRIA. C'est de 10 à 30 personnes qui sont sous la direction d'une personnalité scientifique et qui vont travailler ensemble sur un programme de recherche, sur un thème de recherche précis. Et la notion d'équipe projet vient du fait que ce thème de recherche, il est borné dans le temps et il est guidé par un certain nombre d'objectifs, comme on le fait pour n'importe quel projet, en disant sur le plan scientifique, on sait qu'on aimerait aborder ces aspects-là et qu'on aimerait atteindre tel et tel objectif. Ces objectifs étant de plusieurs natures, mais la plupart du temps, ce sont quand même essentiellement des objectifs scientifiques. Ces objectifs-là, ils définissent d'une certaine façon un programme de travail et puis une répartition en fait sur les domaines scientifiques que chaque membre de l'équipe va aborder, comment ça va s'entrelacer, quel type de partenariat aussi scientifique ou industriel ça va pouvoir générer, etc. Et sur la base des objectifs et d'un certain nombre de critères inhérents à chaque équipe projet, les groupes de 10-15 personnes sont évalués de façon régulière par des pairs et par des personnes extérieures aussi, qui disent ok, très bien, les objectifs sont atteints, ça va continuer dans cette direction, ou au contraire, qui donnent des inflexions en disant il serait peut-être bien d'étudier les problèmes que vous n'avez pas vus, vous connaissez ou autre. Donc il y a une évaluation régulière de ces équipes scientifiques. Bon, ce qui est le dernier point intéressant à mentionner sur le fonctionnement de ces équipes de recherche, c'est qu'elles ont une relativement grande autonomie financière et scientifique. Ça veut dire que c'est sous la responsabilité de la personnalité scientifique qui la dirige, il y a en fait une autonomie financière dans le sens qu'un certain nombre des budgets qui sont gérés par l'équipe viennent aussi. Il y a aussi des recettes en fait qui viennent de leur activité. Ils ont des ressources propres en fait. L'équipe projet a des ressources propres, donc d'une certaine façon elle a un fonctionnement autonome parce qu'elle va choisir des domaines qui lui permettent effectivement de décrocher un certain nombre de financements pour continuer à recruter de vivre pour être dans un comité scientifique. Et sur le plan scientifique, c'est pareil, chaque équipe, effectivement, elle est évaluée, mais dans l'intervalle, c'est l'équipe de recherche qui, d'une certaine manière, décide quelles sont les activités scientifiques qui sont les bonnes dans leur domaine. Ah oui, donc là-dessus, sur cet aspect, justement,
aussi vont chercher à avoir des collaborations. Donc, on est là pour ces deux raisons-là, en fait, pour les raisons financières et scientifiques, et de par cette autonomie, elles ont intérêt effectivement à avoir un tissu de collaboration assez fort. Donc chaque équipe a un vrai tissu relationnel dans son domaine, dans son environnement. Alors le CRISAM, qu'est-ce que c'est que ce paradigme? Donc le CRISAM, c'est le Centre de Recherche INRIA sur l'Antipolis Méditerranée. C'est un des 8 centres qui, un peu historiquement, du coup, est un des plus gros en volume parce que c'est un des plus anciens. Et donc c'est 600 personnes, donc 400 chercheurs, donc en gros, quelques ingénieurs à l'aider, et 200 personnes qui sont là pour aider, soutenir l'activité scientifique, donc des administratifs, des techniciens, des gens qui installent les systèmes informatiques, les réseaux, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain rayonnement dans le bassin, donc il y a évidemment un gros spot sur notre Antipolis, mais il y a d'autres antennes à ce site-là, donc il y a Montpellier, où on a 5 équipes. Marseille, une équipe, et Bologne, il y a une équipe. Bon, ensuite, il y a un certain nombre d'éléments. Donc là, on voit ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a une partie du budget qui est du budget différent dotation, c'est que le budget d'État. Et il y a une partie du budget non négligeable malgré tout qui vient des ressources propres. Ça veut dire que chaque c'est le budget que les équipes en fait, ont drainé de par leur activité. Localement, on a donc 37 équipes de recherche, donc 37 fois en gros entre 10 et 30 personnes qui travaillent chacune sur des domaines différents. Et bon, ça c'est intéressant, j'y reviendrai aussi peut-être plus tard, c'est qu'il y a un certain nombre de start-up de par cette activité qui ont été créées dans le bassin. Bon, ça je vais passer un peu vite parce que c'est important de le noter, mais ça n'a pas d'impact direct sur ce que je vais raconter. La politique scientifique du centre, elle a, et c'est pas toujours vrai, c'est une chose qui est vraie à l'instant T, qui sera pas forcément vraie dans 5 ans ou dans 10 ans, et heureusement, mais la politique d'un centre de recherche, et notamment de celui de Sofia, elle est dirigée par le bassin local, donc on a une politique stratégique INRIA, qui dit grosso modo les grands axes de recherche, ils sont où, et chaque centre peut avoir une déclinaison, des petites inflexions par rapport à ce plan stratégique, parce qu'il y a une certaine activité locale, une certaine implantation qui justifie. Donc en fait, chaque centre a une politique scientifique qui lui est propre. Celle du centre de Sofia a choisi pour les années à venir en fait un certain nombre d'axes prioritaires qui sont mentionnés ici, sur lesquels on peut revenir en détail, qui peut mettre en avant. Ça c'est pareil, c'est un transparent qui permet, et sans doute ça sera plus important pour le logiciel, de montrer l'ensemble des équipes et les domaines dans lesquels elles interviennent. Donc ça c'est important sans doute pour les gens qui sont extérieurs à notre activité, de voir ces thèmes-là et de se dire, ok, quels sont les gens qui vont travailler dans un domaine qui potentiellement vont pouvoir m'apporter quelque chose sur le plan de la R&D, en particulier, est-ce qu'ils ont du logiciel qui pourrait potentiellement m'intéresser dans l'activité industrielle. Donc, bon, les thèmes, ils ont toujours le même souci, mais ça c'est vraiment dans tous les contextes, c'est qu'ils ont tendance à segmenter les choses de façon arbitraire, et cet arbitraire-là, il n'est pas forcément toujours parlant pour tout le monde, mais bon, globalement, c'est des mots relativement compréhensibles en français, a priori, sur les domaines qui ont été exigés depuis longtemps. Donc on devrait trouver de l'extérieur, en gros, un peu à la carte, potentiellement, les équipes qui vont produire quelque chose qui intéresse la fine industrie. Autre point important sur le positionnement de notre centre, c'est qu'on fournit un certain nombre de plateformes, alors non pas au sens d'un prestataire de service, mais dans un contexte de recherche mutualisée. C'est-à-dire, on fournit des matériels et des logiciels innovants, généralement qui a un fort coût d'installation, sur lequel il n'y a pas non plus forcément une grande pérennité au cours du temps sur le type d'installation. Donc, grosso modo, on prend un risque d'installation innovante. L'idée, c'est de le mettre à disposition d'un certain nombre de partenaires académiques ou industriels. Toujours pareil, dans notre bassin régional, voire dans le cercle, dans le rayonnement qu'on est censé avoir autour. Et ces plateformes sont de quelle nature? On a des plateformes de nature télécommunication et réseau. Donc là, techniquement, on a une plateforme qui s'appelle Plexus, qui va prochainement être étendue, qui sont un ensemble d'ordinateurs portables avec des cartes Wi-Fi qui sont toutes mises dans une salle avec une disposition bien particulière et qui présentent en fait un front-end web
permet de déployer des expérimentations de réseaux non filaires, typiquement pour expérimenter des couches de protocole, des choses de ce genre-là. Et donc, c'est un environnement qui est à peu près contrôlé, donc la version future devrait notamment être dans une cage de Faraday, etc., pour éviter les phénomènes de perturbation externe et tout. Et ces plateformes-là sont mises à disposition de partenaires pour justement pouvoir faire des expérimentations. Là où on appelle ça recherche mutualisée, c'est que dans l'idée, ce qui est important, c'est que s'il y a une activité avec des partenaires industriels, elle se fasse dans un certain, niveau de partenariat scientifique. C'est pas juste on vous fournit la plateforme et vous payez en contrepartie le temps d'utilisation. L'idée, c'est de contractualiser plutôt sur un certain plan une activité scientifique, typiquement dire on va peut-être demander à un industriel de co-financer une thèse ou de co-financer la participation d'un ingénieur pour du développement sur la plateforme. Donc c'est la plateforme Plexus sur le réseau. Et puis on a un ensemble d'autres plateformes. Ça c'est un peu pour nous, on verra, mais il faudra qu'on. Quand j'ai découvert la transparence, j'ai pas percuté sur l'intitulé. Bon. Donc on a un ensemble de plateformes informatiques, logicielles, dans lesquelles on va pouvoir proposer des choses. Donc on a une plateforme de réalité virtuelle, donc visualisation, interaction immersive. On a une plateforme de robotique d'assistance à la personne. Donc avec tout un appartement reconstitué avec un certain nombre de composants pour faire des expérimentations sur ce. On a plusieurs plateformes d'imagerie médicale qui ne sont pas hébergées sur site, mais qui sont coordonnées par des équipes de notre centre. Et on a une plateforme de calcul sur grille pair à pair qui est un peu connue quand même généralement. Ensuite, on a dans le cadre du Living Labs, qui est encore un autre moyen de financer les choses, mais à travers le Living Labs, on a une plateforme d'expérimentation pour la foule de données et l'usage de systèmes d'information de façon plus générale. Bon, donc là, j'ai repris ce transparent parce qu'il donne un certain nombre d'éléments de cadrage, notamment vis-à-vis logiciel, donc comme je le disais tout à l'heure, depuis que le centre existe, ça fait plusieurs dizaines d'années, il y a eu la création d'entreprises en lien avec notre communauté scientifique. Il y a 200 logiciels qui sont déposés à l'agence de protection des programmes, ce qui donne bien une idée qu'il y a quand même un certain mouvement autour de ça. Et on participe à des pôles de compétitivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous mettent en relation avec justement une grande partie des industriels du bassin dans lequel on est implanté. Ça, c'est une critique, mais c'est la liste des partenariats, ou une grande partie des partenariats qu'on a actuellement. C'est une petite information, on va pas en présenter. Donc, le développement logiciel et l'expérimentation, c'est la partie, c'est la première introduction de mon travail. Your spectator is Serge. Putain, t'as ok. C'est pas grave. Continue. C'est vrai, j'ai les gages. Si vous voulez, je vais chercher mon matos de musique. donc après cette première partie, une introduction sur grosso modo Inria et puis notre activité locale et puis comment ça va s'articuler aussi avec le développement logiciel. Ça c'est la partie, donc ça c'est off, tant pis c'est filmé, mais c'est la partie sur laquelle, en accord avec les délégués scientifiques du centre, on s'est dit qu'il était potentiellement intelligent d'essayer de présenter l'activité logicielle, pas vraiment sur les logiciels les plus vendus. Cette partie-là, elle a pour vocation de tenter une approche pour le faire. Donc, en réalité, présenter des choses plus intimistes sur lesquelles, par définition, on n'a pas beaucoup de. On n'a pas forcément beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations en dehors d'eux, à l'intérieur des écrits, c'est pas forcément suffisant de parler de choses plus intimistes en ayant envie. Déjà, il y en a beaucoup. Vous allez voir, la liste, elle est quand même. On a essayé de dresser une liste un peu exhaustive à partir juste du rapport d'activité, qui déjà, lui, ne nous donne pas le contenu précis de tous ces logiciels intimistes. On a déjà vu des choses un peu à bouche. Vous verrez que déjà, c'est exhaustif. Et en plus, c'est. C'est des logiciels sur lesquels en fait on a peu d'informations hors de l'équipe projet. Parfois même seules quelques personnes de l'équipe projet ont de l'information. Alors,
Ça, c'est un transparent d'introduction qui reprend, on va dire, de façon un peu artificielle, anecdotique, des choses qu'on entend. La série Bigée, c'est pas quelqu'un qui l'a dit, j'ai pris mon micro et j'ai rempli la phrase, mais c'est mis entre côtes dans l'idée où c'est quand on fait du développement logiciel à INRIA et qu'on s'intéresse au développement logiciel et qu'on demande à des gens dans les équipes de recherche de nous expliquer ce que c'est que le développement logiciel. C'est le genre de choses, en gros, qu'on entend. Donc, explicitement, première citation, on aurait un développeur d'une équipe qui dit, moi j'utilise une bibliothèque logicielle commune, donc toute l'équipe, on a une bibliothèque logicielle commune, c'est-à-dire on a des composants logiciels dedans. Et puis, il nous dit qu'il doit réécrire le propre code proprement parce qu'il a fait son dernier article. Pour faire ça, il a écrit un logiciel qui permet de faire de la validation, des certifications. C'était fait un peu à l'arrache pour pouvoir faire bénéficier les autres personnes de son équipe et qu'il faut l'intégrer à l'intérieur. Là, ils font vraiment du développement, on va dire, à usage interne, à usage collaboratif au sein de l'équipe. Après, il y a des gens qui sont en thèse, qui vont faire un peu dans la même idée de publication des protos, qui vont par exemple prendre du MATLAB, ils vont écrire des scripts MATLAB, d'une certaine façon, ils font du développement, puisqu'ils écrivent du MATLAB, ils produisent des résultats avec, et puis à un moment donné, ils vont être obligés par exemple de traduire, de réécrire ça en C, parce qu'ils ont des problèmes de performance, et qu'ils disent que le code qui vient de l'algorithme qu'ils viennent de trouver, qu'ils viennent de mettre en place sur un proto, quand ils le font tourner sur les données vraiment intéressantes, il leur faut 4 mois pour produire le premier résultat, et c'est pas raisonnable, donc je vais faire le commencer. Ensuite, il y a des gens qui sont, franchement, tout au début je disais qu'au niveau du transfert, c'est une borne qui dit qu'en gros on essaye de pas trop se préoccuper d'être éditeur de logiciel, en réalité c'est un peu plus flou que ça évidemment, comme toutes les bornes qu'on peut utiliser, mais il y a des gens qui font vraiment de la diffusion quand même de software à l'extérieur de l'INRIA, et notamment sous forme open source. Donc il y a des développeurs qui sont assez impliqués dans des plateformes open source, soit préexistantes hors de l'INRIA, soit qui sont vraiment issues de l'INRIA, et qui vont héberger même du code, on a une forge INRIA qui héberge du code et qui mettent à disposition des codes open source, et qui, d'une certaine façon, sont un peu animateurs de communautés open source. En général, elles sont très, quand même très ciblées sur des domaines précis, c'est souvent dans des niches, au sens industriel, mais ils vont quand même avoir cette activité. Ensuite, il y a des bouts de code qu'on qualifie de complètement jetables. Donc, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui vient en stage. Souvent, il est pris parce qu'il y a, il y a aussi une vocation de l'institut à faire de la formation par la recherche. Et puis il y a des choses à dégrossir, donc il y a quelqu'un qui est en stage pendant 4 mois, 6 mois, on va lui donner du code à écrire pour faire une preuve de concept, sachant que ce code-là, il permettra juste de vérifier un certain nombre d'idées théoriques qu'on pouvait avoir. Et puis une fois que c'est fait, on sait qu'on jettera le code, c'est pas très grave. Là, typiquement, quelqu'un qui est en stage, considère qu'il écrit un logiciel dans sa globalité de son point de vue, et en réalité, c'est pour tester une méthode, et puis derrière, on en fera peut-être juste rien, mais c'est pas très grave. Et dernière citation, autour de l'activité, on va dire justement plus création d'entreprise transfert, il y a des gens qui font vraiment du développement un peu plus poussé, donc vraiment sur la frontière avec le transfert, et il y a des gens qui sont en train de rentrer dans une activité de création d'entreprise, donc ça se dit aussi bien dans le sens où celles qui émergent sont au début encore prises dans la gravitation de l'activité, et qui ont une activité par exemple de certification de code. Ça, c'est quelque chose qui se présente dans les domaines où les gens font du développement pour des logiciels dans le domaine de l'image génétique, par exemple. Ils vont devoir transférer derrière leur code dans des milieux cliniques, et les chaînes de traitement d'image génétique doivent forcément être certifiées d'une certaine manière pour être acceptées dans la certification suivant des normes. C'est pas exactement, la certification au sens, il y a des normes précises d'échange de données numériques, de garantir qu'elles ne sont pas désanonymisées, qu'elles ne sont pas altérées en fait, dans les échanges, ce genre de choses. Donc il y a des normes ISO, mais il y a des normes aussi qui sont très spécifiques à chaque domaine. C'est vraiment la certification au sens des normes. Je veux dire, on correspond, on fait du développement dans un certain nombre de standards. Quand on le fait dans une activité scientifique, à part de rares exceptions, mais il n'y a pas de cette recherche-là, dans la phase où il y a des créations d'entreprises, c'est un des exemples illustre bien que d'un coup il y a quelque chose qui se passe à la marge, une activité au-delà de la seule activité scientifique en fait. C'est pas une certification. Donc
Donc, ce qu'on peut constater, en tout cas, avec ces citations, ces exemples-là, c'est qu'il y a une très, vraiment grande hétérogénéité. C'est-à-dire, si un industriel qui vient et qui parle à quelqu'un de l'IA, il va avoir une certaine vue du logiciel. Et puis, s'il va voir quelqu'un d'autre, il aura sans doute une autre vue, une autre impression. Et de l'intérieur, les gens ont une perception différente de ce qu'est le développement logiciel, parce que pour eux, effectivement, il y a un grand panel de possibilités. Justement de l'équipe, du domaine dans lequel ils sont et du besoin peut-être qu'il va y avoir aussi dans leur activité scientifique. Donc grosso modo, c'est hétérogène sur beaucoup d'aspects. C'est hétérogène sur le plan des objectifs, ça veut dire les gens ne vont pas faire du logiciel pour la même raison à l'intérieur des équipes de recherche. C'est aussi extrêmement hétérogène en termes de quantité de code existant, sur quoi que ça se base quand quelqu'un arrive dans une équipe, quelle est la base de code sur laquelle il va pouvoir continuer d'avancer. Alors ça c'est un aspect sur lequel on travaille beaucoup. C'est de moins en moins vrai, mais c'est très hétérogène aussi sur le plan des outils logiciels. C'est des gens qui vont être très au fait, très poussés, qui vont faire de l'intégration continue, typiquement diffuser de manière complètement naturelle leur code sur des forges, être capable d'avoir tout un processus de build, de dashboard, de vérification de la portabilité de leur appli, de diffusion, de packaging. Et puis il y en a d'autres qui vont récupérer leurs sources, prendre le répertoire, faire un tar GZ, l'envoyer aux collègues en disant tu prends le fichier Fortran et à tel endroit. Fortran, mais c'est complètement Non, mais c'est parce qu'on a des logiciels de simulation numérique où effectivement il y a des gens qui développent depuis de nombreuses années, qui ont des habitudes de développement qui sont ni bien, ni mauvaises, ni bonnes en fait. Tout l'intérêt de ce comprendre, il n'est pas de dire il y en a qui font bien, il y en a qui font mal. Selon leurs besoins et leurs habitudes et aussi leurs connaissances en développement, ils n'utilisent pas les mêmes outils. D'ailleurs, il y en a certains qui, sans doute à juste titre, considèrent qu'ils n'ont juste pas besoin d'un arsenal complet d'outils, et c'est pas forcément faux. Donc il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. C'est plutôt l'idée de constater que le logiciel n'est pas perçu pareil et pas développé de la même façon, ni avec les mêmes armes. Évidemment, du coup, en termes de connaissances et de savoir-faire, c'est comme pour le pillage, chacun est doté de ce qu'il connaît dans un certain domaine et ne va pas forcément chercher à aller plus loin parce qu'il n'a pas le besoin. En revanche, les enjeux, au sens de plutôt comment l'Institut veut se positionner sur le développement logiciel, les enjeux, ils vont être globalement les mêmes. Ils vont se classifier en gros en trois parties. Il va y avoir des enjeux plutôt scientifiques. Donc le logiciel va être vraiment l'objet de la recherche et va permettre surtout de drainer des publications, de drainer des collaborations avec les autres. C'est-à-dire qu'il va avoir un véritable enjeu pour les équipes de rayonner scientifiquement et surtout d'avoir son activité scientifique. Il y a aussi un enjeu, des enjeux technologiques, à savoir le logiciel, il va permettre de démontrer, de montrer un savoir-faire, montrer des choses sur le plan vraiment technologique et il va aussi être, du coup, plus dans la confusion entre plein d'équipes, il va aussi être un outil de recherche. Gens qui vont pouvoir baser un certain nombre une certaine activité scientifique sur la base de logiciels existants. Et enfin, ça on l'a déjà dit avant, il y a un enjeu en termes de transfert, diffuser des logiciels, trouver des partenaires, avoir des contrats qui permettent de raconter un certain nombre de ressources propres, de manpower et créer des jeunes pousses, donc il y a un enjeu dans ce plan. Alors c'est là que ça devient un petit peu ésotérique et que peut-être. Je n'ai pas trouvé tout seul, donc ça c'est en discussion avec les délégués scientifiques du centre. On a essayé de dégager en gros un peu comment survient le logiciel à l'INRIA et puis quel est en gros le parcours d'un logiciel. On imagine qu'au bout d'un moment il y a une genèse. Quand on fait du logiciel à l'INRIA, c'est pour quelle raison, comment est-ce que ça vient, dans la plupart des cas, c'est-à-dire que c'est tout le temps vrai. Et vu que notre activité est quand même une activité de recherche scientifique, principalement, dans la plupart des cas, ce qu'on voit, c'est que le logiciel est en fait l'objet même de la recherche scientifique. En tout cas, à la genèse. Alors, comment le dire un peu autrement? En gros, on fait de la recherche en informatique, et grosso modo, la recherche scientifique, en grande partie, ça va être d'essayer de modéliser le monde, en réel, virtuel, d'une certaine façon. Il se trouve que comment on fait de la recherche en informatique, nous on va devoir modéliser notre environnement pour les ordinateurs, pour les réseaux, pour les clusters, pour nous. En gros, on a un certain support, un support informatique, on va devoir modéliser des choses pour cet environnement-là.
modo, le logiciel, du coup, devient plus un moyen d'expérimentation. Au sens de, on fait de la chimie, on a une idée qu'on va comprendre comment fonctionnent les atomes, etc., comment fonctionnent les molécules, comment elles interagissent. Et puis à un moment donné, on va devoir l'expérimenter, on fait quoi? On fabrique des solutions. Et en fait, nous, le logiciel, il a un peu cette vocation-là. Il a un peu la vocation d'être la matérialisation pratique qui permet d'expérimenter les modèles qu'on va mettre en œuvre pour essayer de comprendre notre environnement sur le plan informatique. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que du coup, on intuit un peu que la recherche scientifique qui est menée et le logiciel en tant qu'objet de recherche, ils sont très impliqués dans un premier temps. Au moins au démarrage, on a des idées théoriques, on va les implémenter, on va les réaliser, les mettre en œuvre d'une certaine façon, pour valider les modèles, pour les confronter entre la théorie et la réalité, enfin, on va faire nos mélanges, on va faire du logiciel, de la ligne de code, et puis à un moment donné, ça va faire émerger d'autres idées qui permettent à nouveau de continuer à avancer sur le plan théorique, etc. Donc au début, on a un certain cercle vertueux qui se met en place entre la production du logiciel et la production scientifique. Ça, du coup, ça fait qu'on a des logiciels, en tout cas à la jeunesse, qui sont très versatiles, très mobiles, avec beaucoup de codes jetables, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Et surtout, on va être dans un contexte où la contrainte n'est pas super bien, parce qu'elle a plutôt tendance à brider la créativité. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il va y avoir des étapes différentes pendant lesquelles le logiciel va avoir une éthique un peu différente. À titre d'exemple, je mentionne un logiciel que je vais reprendre après dans les autres étapes que je vais dégager du cycle de vie, en fait, on va dire à Inria, c'est Seagull, c'est une librairie qui maintenant est très connue, mais il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et donc, ça reste toujours vrai pour une partie de l'activité, mais au début, c'était surtout un logiciel vraiment de recherche en géométrie algorithmique. Les gens, ils avaient un certain nombre d'idées de modéliser de la géométrie et d'avoir des algorithmes de géométrie bien spécifiques, et ils ont commencé à écrire du logiciel qui leur permettait justement d'expérimenter ce qu'ils avaient découvert, les théorèmes, etc., sur le plan théorique. Pour un certain nombre d'entre eux, donc là, on a un vivier, cette première phase-là, objet de recherche, c'est pratiquement dans toutes les équipes, il en existe. On verra après, je donnerai un panel justement des 37 équipes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de logiciels, en fait, parce que l'activité de recherche fait qu'on va expérimenter. Il y a quelques cas où il y a des gens qui font vraiment des maths, c'est un peu des exceptions qui eux n'ont pas vraiment expérimenté, ils vont vraiment faire de l'expérimentation en mathématiques, ils vont pas être dans une phase d'expérimentation, ils vont vraiment faire de la production mathématique, du théorème, du lemme, ils ne vont pas forcément avoir besoin de le valider. Mais pour un certain nombre de logiciels, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans les équipes, qui sont dans d'autres équipes, typiquement des partenaires techniques, qui d'un coup mesurent l'intérêt de ce logiciel expérimental, typiquement comme input de leur propre activité scientifique, en disant, bah tiens, nous, si vous nous fournissiez telle ou telle chose, un résultat de votre logiciel expérimental, ça nous permettrait d'avancer. Et donc, en réalité, ce qu'on constate, c'est que pour un certain nombre des logiciels qui sont un objet de recherche dans un premier temps, on en vient à faire du développement pour améliorer l'outillage, c'est-à-dire que dans l'équipe, l'exemple de Seagull est cité à nouveau, il y a un certain nombre de Seagull, un certain nombre pardon, de codes de Seagull qui sont pertinents dans le domaine de la simulation numérique. Les gens vont dire, ah ben, les maillages que vous générez, en fait, ils sont mieux que ceux que nous on avait dans le domaine industriel, dans tel et tel domaine. C'est-à-dire, ce que vous avez créé en termes de logiciel sur le plan de la géométrie nous permet à nous, sur une petite partie qui est la génération de maillages, de bénéficier de maillages qui sont d'une qualité meilleure pour la science que nous on veut faire. Donc, typiquement, les mailles sont bien régulières, on a une certaine maîtrise sur la taille des angles, des tétraèdres, des choses comme ça un peu avancées. Et eux, ils bénéficient du coup de cet outillage pour pouvoir faire leur recherche qu'il a typiquement et la recherche en simulation numérique pour les domaines de l'électromagnétisme. Regardez la propagation d'une onde, par exemple dans le corps humain. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan du développement, il va y avoir un effort à mettre pour que des partenaires académiques puissent utiliser le logiciel. Donc là, on n'est plus dans la petite embrouille avec les quatre lignes de code, si elles ne marchent pas, on se débrouille, on vous colle un bout, et puis je fais quand même la publication. On est dans quelque chose qui déjà devient, en termes de développement, un peu plus
disons, on va dire, on est obligé de professionnaliser, de pérenniser un peu plus les choses, puisqu'il y a une mise à disposition pour des individus qui, eux, d'une certaine manière, vont être un peu user. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce stade, que ça permet d'avoir cette façon de développer, c'est que ça permet de construire des expérimentations à plus haut niveau, et donc d'avoir des outils qui prennent l'expérimentation multidisciplinaire. Ça, c'est un fort moyen de décloisonnement, en fait, entre les équipes. Et la dernière partie, qui n'est pas le Graal, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que la plupart de nos logiciels sont au stade d'objet de recherche et que c'est très important, et qu'il faut continuer et qu'il y ait des logiciels qui ne soient pas français. Donc ça, ce n'est pas le Graal, c'est juste, pour certains des logiciels, l'intérêt continue d'exister et il sort un peu du spectre juste scientifique. C'est-à-dire que d'un coup, bah, il y a un certain nombre d'industriels qui disent, un industriel suffisamment important qui dit bah, en fait ce logiciel-là, il a un vrai intérêt dans mon domaine d'activité pour la vraie vie, quoi, pour ce qui se passe en dehors. C'est pas juste dans un labo, on passe d'un truc de vitro à un truc de vitro. Et donc, ça, c'est ce qui justifie qu'il y ait une activité de transfert à INRIA, c'est de dire à des gens qui sont extérieurs et qui vont montrer un intérêt pour du logiciel qui est développé chez nous, ok, on va faire un effort, encore de développement léger, pour permettre que vous puissiez en faire vraiment quelque chose à l'extérieur. Alors comment ça va se matérialiser? Ça, la frontière, elle est assez floue, c'est que vraiment INRIA se positionne pas du tout comme éditeur de logiciels. Ça va pas être, on vous le fait, on vous le fournit, vous le downloadez. Ça va être la phase de développement, elle est vraiment plus sur mettre en place un certain nombre d'outillages, à la fois sur le plan du code en tant que tel, mais aussi de la façon dont il est licencié, des choses comme ça, pour que le transfert soit faisable. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir le code puisse en faire un usage industriel. Sans doute le réécrire, mais en tout cas en faire un usage industriel. Le transfert, grosso modo, là j'en ai cité 4, il y en a sans doute d'autres que j'ai oublié, mais il va s'effectuer sous forme d'animation de type open source, qui n'est pas forcément du transfert payant, c'est de la diffusion dans des communautés, avec effectivement plutôt de la maintenance répartie entre plein de personnes qui vont être capables de le faire, et pas que des gens INRIA. Ça va être fournir une licence d'exploitation pour un code très précis dans une niche. Ça va être carrément vendre du logiciel à l'extérieur, donc céder complètement les droits patrimoniaux, monter des startups, etc. etc. Là, il y a vraiment une activité autour de ça. L'exemple, c'est toujours pareil, c'est Cigal, qui du coup a quand même, dans mon exposé en tout cas, un vrai intérêt, c'est de montrer qu'il existe encore à ce jour une activité de Cigal en tant qu'objet de recherche, une activité de Cigal en tant qu'outil de recherche avec un fort potentiel à faire de la vraie expérimentation multidisciplinaire, et il existe une activité de Cigal par le biais d'une start-up qui s'appelle Geometry Factory. Il existe une vraie activité de transfert, notamment récemment, il y a eu une partie de Cigal qui permet de trianguler des choses qui a été transférée à MATLAB, qui est intégrée dans Toolbox MATLAB. Pour retrouver ces partenariats, réussir à trouver des gens qui sont intéressés et tout ça, c'est pas forcément facile, ça prend du temps, il y a de l'énergie qui est consacrée aussi pour trouver des gens intéressés, faire la publicité. Je reviendrai dessus après. Mais je vais quand même répondre maintenant parce que c'est à propos. On est doté en interne INRIA d'un certain nombre de services. Et donc on a deux types de services qui sont vraiment dédiés à l'activité autour du logiciel. Il y a un service qui est celui que moi je dirige, qui est le service de développement et d'expérimentation. Donc nous on va avec les équipes projets monter des petits projets de développement ou des gros projets de développement et on contribue avec eux et on préconise des outils en fonction du stade justement où on en est en disant il faudrait mettre du gestionnaire de version, il faudrait packager, attention vous avez peut-être des end users qui vont avoir Windows, on vous aide à faire attention à comment on fait pour que ça soit portable, etc. On vous préconise les bonnes libres, etc. Ça, c'est l'activité vraiment, on va dire, développement logiciel, vraiment ingénieur de dev, quoi. Et il y a un autre type de services qui, eux, sont plus... le terme de marketing n'est pas tout à fait bon, parce que ce n'est pas vraiment du marketing, mais qui ont vocation, en fait, à mettre en relation, et on les appelle justement... de la valorisation en relation industrielle. Et en fait, ils cherchent à mettre en relation les industriels avec les équipes de recherche. Donc ça, c'est des gens qui, à l'intérieur de notre institut, ont une bonne connaissance
doivent avoir une bonne connaissance des développements dans les équipes et sont impliqués bah, typiquement dans les pôles, ils vont dans des réunions, des pôles de compétitivité, etc. Ils s'intéressent à notre vivier industriel et ils cherchent à établir des relations entre tous ces gens-là. Ils ont pour but d'aiguiller les personnes à l'intérieur de l'institut. Ils servent un logiciel qui est à un stade déjà assez avancé en termes d'outils, en termes de professionnalisation. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à l'extérieur ? Donc là, dans ces cas-là, on a des gens qui sont chargés de ça, qui regardent dans l'ensemble des connaissances qu'ils ont et dans le métier qu'ils ont. Est-ce qu'il y a oui ou non la potentialité de faire ça ? Et à l'inverse, quand ils rencontrent des industriels qui leur disent nous, par rapport à une IA qui fait de la recherche, pardon, et des développements, on aimerait savoir s'il y a quelqu'un qui sait faire ça. Ils sont chargés de les amener et de dire ok, on va vous faire rencontrer les gens qui ont. Donc il y a comme ça une espèce de. Il y a des gens qui sont identifiés pour permettre cet échange entre l'intérieur et l'extérieur de l'université. Donc. Mais tu restes 4 minutes. Ouais, et c'est très bien. Parce que normalement c'est 3 de timekeeper. Ah d'accord, il est chez le timekeeper. Il n'y a pas de mots. Donc là, c'est la partie sur laquelle potentiellement il pourrait y avoir une manière d'aborder les choses que je n'ai pas trouvée et où j'ai fait bêtement ce qu'on appelle un catalogue, qui est toujours extrêmement pénible à présenter. Et je vais essayer de me focaliser. Donc j'ai fait cet exercice-là avec Yves Berthaud. On a pris le rapport d'activité et on a regardé pour chaque équipe. Quels sont les logiciels qui nous disent développer, vraiment développer. Sachant que ce qui est vraiment important à ce stade-là, c'est que parmi ces logiciels, il en est beaucoup qui sont juste des objets de recherche, c'est-à-dire qui sont nativement importants dans l'activité scientifique de l'équipe et qui n'ont pas pour vocation à être diffusés ou utilisés par d'autres, qui l'auront peut-être en potentiel, mais en tout cas, ils ne sont pas présentés juste parce qu'ils sont utilisés par d'autres. Ils sont présentés parce qu'ils sont utilisés par l'équipe. Donc ça c'est un peu, l'idée ça serait un peu d'avoir une cartographie de logiciels par type de domaine d'activité. Bon, encore typiquement l'idée serait d'arriver à donner à des gens extérieurs une certaine vision de notre activité logicielle en disant bah, si vous êtes intéressé par des choses chez nous, la façon de faire c'est vous regardez un domaine, parce que vous savez que ce domaine-là vous intéresse, des simulations par exemple, vous avez un certain nombre d'équipes sur lesquelles vous pouvez trouver des informations, notamment par le web, en disant okay, quelle est leur activité scientifique, parce qu'eux, ils vont être dans des sous-domaines de ce domaine-là. Et pour ce sous-domaine, vous avez un panel de logiciels qui potentiellement peuvent présenter un intérêt. Là, il y a un exemple, juste de manière complètement anecdotique, mais qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il y a un logiciel ici qui est de la modélisation de physique pour des filtres haute fréquence. Des filtres haute fréquence, en gros, des tubes de métal qui sont avancés les uns derrière les autres avec une certaine longueur. Et quand on fait passer des hautes fréquences dedans, bah, ça joue un rôle de filtre. Il y a juste des propriétés physiques de ces trucs-là. Et ce qui se passe, c'est que là, à l'intérieur de l'équipe, ce sont des gens qui font ce qu'on appelle la résolution de problèmes inverses et un peu de contrôle. Ils se sont posés la question et pas mal de temps de comment on pourrait modéliser ça. Donc au début, il y avait vraiment juste un enjeu scientifique derrière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai des collègues académiques, notamment des gens du BTS, si j'ai une bonne mémoire, qui ont dit ah, s'il vous plaît, en fait, c'est potentiellement intéressant de creuser un peu parce qu'il y a vraiment des gens qui fabriquent des fibres comme ça, qu'on aurait besoin. Et en fait, ce logiciel un peu intimiste, un peu dans un coin, sur de la modélisation ultra pointue, ben, il est transféré à Thales. Parce qu'ils fabriquent des fils comme ça dans les satellites. Et ils ont besoin, pour améliorer leur chaîne de production, pour gagner du temps en fait, sur la manière de peaufiner leurs fils, ils ont besoin de ce type. Et donc ça c'est marrant, c'est des lignes de code MATLAB essentiellement. Parce que si c'est que MATLAB ça reste du code, c'est des lignes de code MATLAB avec une grosse connaissance scientifique derrière. Et ce logiciel, de la même façon, a priori il n'avait pas vocation à être transféré de manière... Je ne pense pas qu'au début, quand les gens l'ont fait, ils se sont dit « super, on va gagner un certain nombre de thèses ou d'argent dans notre équipe pour avoir notre activité ». Et ils l'ont fait parce que c'était leur activité scientifique. Et il se trouve que, bah, de fil en aiguille, il y a eu un intérêt pour ça. Donc ça veut dire que vraiment, dans cet ensemble de logiciels qui sont exposés là, il ne faut pas hésiter à aller pas faire son marché, mais s'y intéresser et pas dénuer de sens. Donc
Donc j'ai fait cet exercice pour l'ensemble des domaines dans lesquels on travaille. J'étais parti dans l'idée que j'en prendrais un ou deux en expliquant. Je pense que c'est extrêmement laborieux, j'ai essayé de le faire, mais je pense que c'est une mauvaise idée, donc je ne le ferai pas. En revanche, vous pouvez voir que, et ça c'est une partie visible, c'est-à-dire qu'en réalité il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a même des endroits où après j'ai trois petits points, parce qu'en réalité il y a, oui, et puis d'autres logiciels qui font ça. Et en fait, dans la description de chaque équipe de leur activité logicielle, il y a explicitement le fait que, puis il y en a plein d'autres bouts de code un peu partout. Il y en a qui le disent explicitement. Donc, il y a une vraie activité logicielle. Donc là, tout ce qui est en gris, ce qui est en noir, c'est le nom des équipes. Ce qui est en gris, c'est les logiciels qui sont affichés par ces équipes dans le rapport de l'activité. Donc, il y a du monde. Beaucoup de choses. Parmi ceux-là, ils sont tous à des stades de maturité différents dans le schéma des... Ah, c'est pas, en plus, c'est pas juste. C'est pas ceux qui sont transférés. Non, mais c'est pas juste des trucs petits. Intimes. C'est pas que des trucs intimes, là, il y a tout. Il y a les coques quand même. Voilà. Non, mais j'ai vu Mélinaria, sans moi, c'est non. Là, il y a vraiment à tous les niveaux. Tout le monde. Donc, le message sur ces 5 derniers transparents, c'est vraiment, je pense que sur le. Nous, en interne, on a sans doute un effort pour être capable de mieux exposer ça. D'y réfléchir, c'est pas évident avec des bases de logiciels par exemple. La Forge avait aussi cette vocation là, avec le top 10 des logiciels les plus téléchargés. Il y a des pistes qui sont plutôt à noter, mais je pense qu'on a le temps à faire là-dessus. D'un autre côté, dans un événement comme celui-là où normalement on est au contact avec les industriels, le message c'est n'hésitez pas à venir regarder ce qu'on fait, parce qu'il y a sans doute des choses qui sont intimes au moment et sur lesquelles on va pas nous. Venir vous dire attention, on sait faire des choses, mais parce qu'on n'a pas, idée que peut-être on a fait des choses. Donc c'est aussi important que nous on ait un retour sur ça. Donc là, je vais faire une dernière partie, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais survoler assez vite, pour montrer qu'en réalité, bien qu'on soit, je ne sais plus la faire pour mon équipe en fait, bien qu'on soit un petit peu. Bien qu'on soit vraiment un institut de recherche comme le CNRS, dans d'autres domaines, il y a un modèle un peu spécial qui est qu'il y a des équipes transversales dans chacun des centres qui sont chargées de faire du développement logiciel. Certains le présentent comme des sociétés de services internes. C'est pas tout à fait faux et c'est pas tout à fait vrai dans le sens où on a quand même vocation à être beaucoup plus entremêlés avec nos équipes de recherche que sans doute ne le serait tout à fait des services ou des gens de sociétés de services par rapport à un client. On n'est pas tant dans un rôle normalement client-prestataire. Mais sur le modèle, on est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a un pool de gens qui sont spécialistes d'un certain nombre de domaines, dont la formation principale est le développement logiciel, et qui vont aider et participer au développement logiciel des équipes. Donc ça s'appelle un service d'expérimentation et de développement. C'est pareil, j'expose le jargon, parce que quand on rencontre des gens en IA, sans faire exprès, ils sortent les gros mots qui vont bien, donc autant qu'ils soient connus. Donc voilà. Donc le rôle, c'est de contribuer au développement. L'émission, c'est de faire un support direct auprès des équipes pour faire ces développements. Ça, c'est pareil, c'est on préconise des choses, on donne une expertise, on aide à monter le projet, et puis on se retrousse les manches et on code avec les gens. Et puis, c'est aussi de faire du support au développement. Donc, on suit les projets de développement le mieux qu'on peut, on essaye de donner un peu de formation, on encadre des ingénieurs qui sont en CDD et qui sont censés faire du développement. On préconise des bonnes pratiques, on essaye d'installer des outils, on préconise l'installation de certains outils, etc. Et puis, une dernière activité, c'est qu'on a un support aux plateformes expérimentales. Le support, il est double, il est sur le plan matériel, il est aussi sur le plan du middleware, donc la mise en commun d'un terreau qui permet de faire du développement sur ces plateformes. Ça, c'est un peu interne, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, les ingénieurs ils sont affectés. Alors, on n'appelle pas ça des projets parce que la notion de projet est trop rattachée à l'équipe projet de recherche. C'est pareil, c'est du jargon, mais c'est pas inintéressant de le savoir parce que quand on parle à quelqu'un à l'INRIA, il utilise ce jargon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ADD, les ADD étant en fait un projet de développement au sens habituel du terme. Chez nous, ça s'appelle une action de développement. Et le principe est le même, on décide qu'on va développer pendant 2 ans, qui sont lesquels on identifie les ressources, les objectifs, une roadmap pour le faire. Donc, on est vraiment dans la logique de. Où les ingénieurs sont affectés à des plateformes communautaires, donc typiquement on a un ingénieur qui est en charge de la plateforme espace-initiée qui est en dessous, de la plateforme virtuelle, ça veut dire qu'il va être en
en charge du matériel, du middleware, et puis d'aider les équipes à venir développer le tout. Bon, les 20% de tâches communautaires sont pas importantes, ni le fait qu'on ait une direction fonctionnelle, en dehors du fait que cette direction fonctionnelle, ça dit quoi? Ça dit que tous ces équipes de développement ont une trappe commune au niveau national. Et on essaye le plus possible de se structurer et de bénéficier de la dynamique aussi des développements dans les autres centres. Donc on a une direction qui est non hiérarchique, qui est dite fonctionnelle, et qui essaye de tramer justement, coordonner, animer un réseau des développeurs. Sur l'activité de plateforme, sans rentrer trop dans le détail, effectivement les plateformes gérées par cette équipe, c'est un espace immersif, un ensemble de clusters ou de grilles de calcul. Plexus, en fait, ça fait Plex pendant un temps, donc Plexus, Plex, c'est la même chose, c'est participer à la plateforme de mon filaire. Et puis, on est un peu intervenu de temps en temps sur la plateforme de robotique d'assistance à la RSE. Donc ça, c'est juste pour, je ne vais pas insister, c'est pour dire que la DT, c'est bien un projet de développement. Ce qui est intéressant, c'est le chiffrage. On a environ 15 demandes de nouvelles ADT par an. Elles ne sont pas toutes acceptées, mais grosso modo, on a une vingtaine d'ADT, donc une vingtaine de projets de développement identifiés chaque année qui sont actifs. Et surtout Iria, on en a environ 70 nouvelles demandes. Donc c'est pareil, on a à peu près 80-90 ADT sur l'ensemble du territoire. On a 80-90 projets de développement qui sont identifiés comme des spots pour lesquels il faut vraiment qu'on arrive. Donc on sort un peu du mode objet de recherche et il va y avoir un truc un peu au-delà sans tout à faire, pour professionnaliser le développement. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'équipe, les ressources qui sont sur ces projets de développement, elles sont mixtes. Donc il y a des ingénieurs spécialisés en développement, il y a des ingénieurs qui viennent en renfort, qui sont en général aussi spécialisés en développement et qui sont en CDD. Donc ça veut dire qu'Iria recrute chaque année un certain nombre d'ingénieurs, donc c'est intéressant de le savoir. Non seulement on les recrute, voilà, c'est bien noté, et non seulement on les recrute, mais après on les rétrempe à la vraie vie. Ça veut dire qu'ils sont passés chez nous, on espère qu'ils sont formés, ils n'ont pas été formés, on espère qu'ils ont été formés pertinemment, notamment sur un domaine spécifique en termes de R&D, et que du coup pour eux c'est un vrai avantage après de retourner avec cette formation-là pour leur projet professionnel personnel. Évidemment, puisque quand même c'est eux qui ont fait le développement de logiciels initiaux et qui continuent d'en tirer aussi les bénéfices, il y a tous les membres de l'équipe de recherche qui sont très impliqués dans les développements, qui continuent, c'est pas assez. Ils ne sont pas dessaisis à partir du moment où il y a un projet de développement bien au contraire. Là, il y a des exemples, j'en ai donné précédemment, je les ai listés, je ne rentre pas dans le détail maintenant. Et ça, c'est la réponse à la question de tout à l'heure sur qui sont les gens qui font les choses, quelles sont leurs missions. Donc voilà, on est en plein à être à l'interface du centre de recherche avec son environnement local et national. En fait, ils ont une mission qui est plus étendue que juste le développement logiciel. Ils ont cette vocation-là sur les aspects scientifiques, sur les aspects, on voit plein de choses, sur les aspects communication, organisation d'événements. Donc là, typiquement, Agnès Campbell, qui est la personne qui était là pour faire l'accueil, etc., est quelqu'un qui fait partie de cette équipe-là. Plutôt événement. C'est vraiment bien parce que j'ai vu des profs et maîtres de conf en université passer une bonne proportion de leur temps à essayer de faire ça, et du coup, ils ne peuvent plus avancer. Oui, bien sûr. Alors, dans les équipes, ça existe aussi. En fait, chez nous, ça ne remplace pas complètement. C'est-à-dire que les équipes, elles sont obligées d'avoir cette activité-là. Mais c'est vrai que normalement il y a un relais au moins, et puis ça permet aussi de recentraliser un peu les informations, de croiser aussi, parce que effectivement, comme les équipes projets sont autonomes aussi sur les partenariats parfois sont un peu isolés. Là-dessus, c'est mon dernier transparence, et grosso modo sur le transfert, il y a des choses plus spécifiques, comme j'en ai déjà parlé avant. Effectivement, c'est dans les missions de ces services de relations extérieures et de valorisation. Il y a une grosse activité qui concerne le transfert technologique par le biais, effectivement, de pouvoir transférer des idées de la technologie des compétences. Technologie, grosso modo, c'est du soft. Et ce qui est important aussi, c'est que de la même façon qu'il y a une coordination entre chaque centre pour les développeurs, il y a une coordination entre chaque centre pour le transfert. Étant une seule entité juridique, il est important que ça ne soit pas des contrats INRIA-SOFIA versus des contrats INRIA-Grenoble, qui est la concurrence entre les centres, ça ne pourrait pas être de
sens. Et donc il y a une vraie politique qui se met en place de la même façon avec une direction fonctionnelle identitaire. Ça, c'est un argument interne, la direction fonctionnelle, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils vont coordonner les différentes activités de valorisation de chaque classe. Voilà, donc ma conclusion est la suivante. Si on reprend un peu tout ce qui a été dit, qui va un peu dans des directions orthogonales, il y a les développements de logiciels sont quand même vraiment variés. Ils sont variés parce qu'il y a beaucoup de domaines scientifiques qui sont intéressés, donc on a vraiment du logiciel dans des domaines très différents. Les développements de logiciels sont variés parce que l'utilisation des logiciels qui sont produits a une nature différente. On a vu effectivement objet de recherche, outil de recherche, plutôt valorisation industrielle. Et les développements de logiciels sont variés parce que le niveau de maturité n'est pas le même, non seulement des développeurs, mais des codeurs. L'autre focus important, c'est que le logiciel, c'est vraiment un moyen d'expérimentation scientifique au sein d'un domaine, et qu'il est objet de recherche au début, mais qui peut devenir un outil pour l'expérimentation multidisciplinaire. Enfin, je dis il peut, c'est pas qu'on vise à ce que ça le soit systématiquement, c'est que si c'est le cas, tant mieux. Et il peut aussi faire l'objet d'un transfert industriel, au cas par cas. C'est pas un objectif en tant que tel, c'est un objectif de faire du transfert, mais pas quand on commence à développer un logiciel, on commence pas à se dire on va le transférer. C'est rare. L'autre focus important, c'est qu'il y a une vraie volonté de l'Institut de professionnaliser les développements logiciels pour que justement ces opérations de mise à disposition d'outils à d'autres équipes ou de transmission à l'extérieur soient quand même facilitées, mais aussi parce qu'en interne, pour les équipes, c'est un vrai moyen de pérenniser du code, de le faire de meilleure façon. Quand on fait venir des personnes qui sont en turnover comme des doctorants, etc., qu'ils aient accès à une base saine de code étant vachement plus intelligent que le fait que ce soit du code cassé dans les équipes. Dernier point intéressant, c'est du coup du point de vue du logiciel, qu'est-ce qui sort de l'INRIA ? Donc, ce qui sort de l'INRIA, indépendamment du logiciel, de toute façon, c'est du savoir, de la connaissance, des publications scientifiques. C'est vraiment un plus important. Mais il sort aussi du logiciel. Ça, c'est la notion en français. Il sort du logiciel, plus ou moins proche d'un logiciel exploitable. Ce que je ne dis pas, c'est qu'il sort du logiciel et des services associés. Et typiquement, quand j'ai parlé de Geometry Factory, ils sont plutôt dans une logique de prestation de services, sachant que le code en grande partie sera open source. Et ce qu'ils font, eux, c'est de dire on va vous développer votre application spécifique sur la base de ce code. Donc il y a du logiciel, plus un certain nombre d'expertise, de conseils, de services. Donc il y a une manière d'aiguiser aussi du savoir et du savoir-faire dans ces parties. Et il ne faut pas l'oublier, il y a du manpower qui sort, formé par la recherche. Ça a plusieurs niveaux. Il y a des jeunes ingénieurs, des jeunes docteurs, des postdocs.